Bonjour à tous, je suis en train de procéder à la réparation d'une bouilloire électrique et je vais en profiter pour essayer de proposer des images constructives pour celles et ceux qui se demandent comment fonctionne une bouilloire électrique en fait, parce que la bouilloire électrique est équipée d'un automatisme. Elle arrive toute seule à traiter le signal et à réagir en conséquence. Elle est alimentée constamment à 230 volts ici. Et en fait, la plaque que vous voyez au fond, c'est un bout de métal qui va chauffer sous l'effet de la tension qui arrive par ici. Et vous, donc, quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous demandez l'envoi de courant. Et puis, tout seul, par automatique, quand la bouilloire détecte que une température a été suffisamment élevée, a été atteinte pour l'eau contenue là-dedans, ça coupe tout seul. Mais comment ça se passe? Eh bien, si vous regardez attentivement, là, vous avez un petit trou. Et ce petit trou, en fait, est l'entrée d'un conduit. Alors, on le verra mieux sur cette sœur jumelle. Voilà. Je profite d'avoir démonté. On voit ce conduit qui arrive ici et qui débouche ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà la pièce que je suis en train de remplacer, qui est cassée. Et donc, qui vient se placer ici de manière étanche ou quasi étanche. En fait, quand l'eau commence à bouillir, il y a de la vapeur d'eau qui remonte et qui est bloquée normalement par le couvercle. Cette vapeur d'eau, une petite partie rentre dans ce conduit, continue son chemin et arrive ici, dans cette chambre. Et en fait, le plafond de cette chambre, voilà, la pièce est dans ce sens, c'est cette pièce qu'on appelle, si ma mémoire est bonne, un thermostat interrupteur. Vous avez un morceau de métal ici qui a une forme particulière. Je vais prendre une pièce de remplacement, puisque celle-ci est cassée, donc on ne pourra pas observer le fonctionnement normal. Vous voyez là, ça ne fonctionne plus correctement. Voilà donc la pièce de rechange. Désolé pour les éventuels bruits de bébé en arrière-plan. Donc quand vous appuyez comme ça, vous créez un mouvement comme ça. Ce mouvement va faire basculer en avant ce levier. Et en fait, quand la chaleur va arriver par la petite chambre là, qui se remplit de vapeur d'eau brûlante, eh bien, cette arrivée de température va déformer cette languette en métal ici qu'on trouve, qui est assise sur ce cercle-là. En fait, quand la température va augmenter, tout simplement, ça déforme, ça exerce une pression. La pièce de métal va appuyer sur le petit cylindre qu'on voit ici. On voit le petit cylindre ici, vous voyez? Voilà. Vous voyez que quand il rentre, il ouvre l'interrupteur, donc le courant électrique ne peut plus passer, et ça correspond au bouton qui était comme ça et qui revient comme ça. Je vous remontre, j'arme, et là, quand la chaleur va mettre en tension le morceau de métal qui lui-même va appuyer sur le cylindre, voilà. Et c'est ce clac que vous entendez quand la bouilloire arrive à suffisamment haute température. Pour terminer la description du circuit électrique, vous avez par le mécanisme du support qui se trouve ici, on a 230 volts qui arrivent, les deux bornes, ici, là, extérieur et intérieur, donc qui ressortent ici et ici. Donc vous avez un fil électrique qui part directement à la résistance, c'est cette partie qui chauffe là, et l'autre borne, qui au lieu d'aller directement à l'autre borne de la résistance, va au thermostat interrupteur, donc c'est le fil électrique qu'on voit ici qui monte. Voilà, c'est branché, c'est clipsé. Quand l'interrupteur est en position normale, c'est-à-dire qu'il est ouvert, il y a un espace dans le mécanisme, il n'y a pas continuité électrique. Donc ce fil électrique n'est pas en continuité électrique avec celui-ci, donc il ne peut pas y avoir circulation de courant électrique. Par contre, quand on appuie sur l'interrupteur, l'interrupteur est fermé, le circuit est fermé, donc le courant peut passer. Les pistes électriques sont fermées et le courant peut passer, donc jusqu'à ce que le thermostat interrupteur coupe le courant par l'intermédiaire de la vapeur d'eau qui va faire bouger, exercer une pression par le morceau de métal sur le mécanisme derrière. Voilà.
À titre personnel, je n'avais tout bonnement jamais remarqué ce petit orifice et encore moins deviné le petit conduit et le mécanisme qui se cache derrière. J'ai trouvé ça extrêmement marrant et extrêmement intéressant à comprendre. Si vous avez apprécié ce partage vidéo d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez collecter les solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite bienvenue. Je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Justement, à cet effet, vont s'afficher à l'écran un rond et deux rectangles. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le premier rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique électroménager et électronique, dans laquelle vous trouverez plein de tutoriels, plein de vidéos informatives également, qui vous permettront de mieux comprendre assez rapidement comment fonctionne votre électroménager, comment fonctionne votre électronique, et notamment dans le but de pouvoir l'entretenir, voire le réparer soi-même. Et le deuxième carré, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera dans l'épisode dédié au changement, à la réparation de cette bouilloire électrique, où on va procéder donc au remplacement de ce thermostat interrupteur.